Et bonjour à tous, c'est Devil. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Project Zomboid, la survie de Tim. Et oui, il est toujours parmi nous. Alors, j'avais mis une alarme. Je vais pas me lever trop tard. 9h, c'était bien. Petite grasse mat. Ce que j'ai prévu aujourd'hui, donc comme vous avez pu voir avant, j'ai bien avancé. Que ce soit pour les rangements, que ce soit pour la nourriture, on a beaucoup de nourriture maintenant. Juste récupérer un bol, me préparer une salade et puis on va partir. On va tenter. Alors attendez, parce que c'est nouveau pour mon corps aussi. Ils sont là les bols, voilà. Hop là. Créer une salade, on va faire de la tomate, s'il te plaît. Yoyon. Yoyon, j'ai dit. De la carotte. Et on a pris un point en cuisine. C'est parfait ça. C'est formidable. Vous voyez les points? Franchement, il prend des points facilement. C'est bien. Est-ce qu'il va manger un petit peu? Oui. On va tenter d'aller à... Alors, j'ai repéré un hangar. Ici, j'ai bien avancé aussi. J'ai passé tous les murs niveau 3 jusqu'ici. J'ai refait un autre récolteur d'eau de pluie parce que on ne sait jamais s'il y a la coupure d'eau courante. Au moins, je pourrais prendre de l'eau et j'ai une bonne petite réserve. Pour ceux qui savent pas, ici, j'ai mis de la nourriture pourrie. Tout simplement pour que ça me fasse du compost. Et le compost, ça aide énormément et ça donne beaucoup plus de fruits et légumes. Il fait encore un peu nuit. On va aller tout doucement. À l'entrepôt que j'ai repéré, j'aimerais trouver mon générateur et des armes. Ça serait bien. S'il avait bien démarré. Voilà. Il me faut des plaques en métal pour tenter de réparer le moteur. Ici, j'ai fait un petit nettoyage aussi avec les cadavres. Je sortais, j'entendais les mouches. Ça devenait insupportable. Alors, c'est parti pour le hangar. Il est pas très loin, mais je vous dis à tout de suite. Et voilà, nous y arrivons. J'aimerais juste regarder ici, vite fait, hop. On va peut-être pouvoir avoir la clé du véhicule. Peut-être en meilleur état. Dépêche parce que ça arrive, le gilet pare-balles, le holster, non merci. S'il n'y a pas la clé, je m'en vais. Il n'y a pas la clé, je m'en vais. Il y a trop de monde qui arrive, je pense. Ouais, 4, 5. Ouais, encore, ça l'aurait fait. Mais on n'est pas venu là pour ça, je ne veux pas perdre de temps. Le hangar, c'est ça. On va tenter de pas trop en attirer. J'aimerais faire le tour. Il y a du véhicule ici. Le petit camion m'a l'air très très bien. L'autre aussi là-haut. Donc là, il va y avoir du nettoyage. Un grand nettoyage à faire avant. Allez, c'est parti. On va pas tout tuer, hein, je ne pense pas. Allez, fais-nous un grand nettoyage, je sais que t'en es capable, Tim. Regarder derrière. J'ai enlevé l'espèce de silhouette verte qu'il y avait autour. Ça me gênait plus qu'autre chose. On va faire les corps après vite fait. Si on peut trouver briquet allumette.
Cigarette. Par contre, il est en panique. N'aie pas peur. Regarde, tu gères là. Bêta bloquant. Prendre des cachets. On va nettoyer là aussi. Allez, reprends un petit cachet encore. Allez, tu peux le faire là. Condition que tu fasses pas le fou. Et ce qui serait bien, vu qu'il n'y a pas trop de zombies là, ce qui serait bien, c'est de monter un peu les points en bat. Donc on va jouer un petit peu à la bat. On a le temps, on a toute la journée pour faire ça. Voilà. On entend les... On entend un bruit quand on tape avec la batte. Ok, ça va super pour l'instant. On commence à entendre les mouches, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de zombies au sol. Allez, on en profite vite fait. Non. Les dépresseurs, on va prendre. On est là pour prendre un maximum de choses. Gilet, chaussures, bottes militaires, on prend. Et je voulais voir le casque, j'ai vu qu'il y en avait un qui arrivait en bas. Et ce qu'on peut faire pour anticiper, c'est aller là-dedans. En espérant qu'il n'y ait pas d'alarme. Aller là-dedans, j'ai vu à l'étage, il y avait une chaise sur la terrasse. Oh, c'est un bon entrepôt. Pas d'alarme. Oh, regardez-moi tout ça. On va fouiller tout ça. Et là, on risque de trouver... énormément de choses. La clé. Oh, des graines. Oh, regardez-moi ça. On va être parfait. Je fouille tout ça et je vous dis à tout de suite, les copains. On va essayer de trouver encore 2-3 petites choses. J'ai trouvé une masse, je suis content. Ça va être d'une grande utilité, franchement. Après, tout ce qui est graines et tout, par contre, je vais pas arrêter de les prendre parce que... La pickaxe, 3 kilos... Ouais, c'est une arme en plus. Hein. On va pas se priver. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'ait pas trouvé de générateur encore.
Générateur, mais alors par contre les graines, c'est le paradis. Peinture et tout, on le fera après. Turquoise marron, violet, turquoise marron, marron clair. Bleu cyan, bleu clair. On va prendre bleu cyan, bleu clair. On verra. Histoire de personnaliser un peu notre planque. Le pinceau, il n'a pas de durabilité, donc on va en pas se charger pour rien. Les graines, on prend. Après, s'il faut, c'est pas grave, je vais agrandir mon jardin. Tant mieux, hein. De toute façon. On va vivre des années, alors. J'y crois. Oh. Ici, toujours. Des graines, c'est le paradis. Vaporisateur vide, je l'ai pris. Tout simplement. Parce que ça remplacera la bouteille d'eau. Bleu clair, on va prendre. On va faire bleu clair, hein. On a beaucoup de bleu clair. On va charger un peu la voiture. On met une petite cigarette. On reviendra, on fouillera, on mettra tout à. Bleu, marron. On allait oublier les graines, c'est pas bien. Allez, on met tout ça dans la voiture. On peut y caler un petit peu. Non, ça on ne peut pas. On va aller s'en douter. On entend des zombies. Engrais, 2 kilos. 2 kilos, ça n'y va pas. 3, la masse 6. J'entends un zombie, je sais pas où il est, il doit être dehors. Il y a un bug depuis la mise à jour, vous voyez, ça fait tout disparaître. Que ce soit zombie ou. Ou alors. Objet, ça fait tout disparaître. Faut faire très attention. On va être à 9,5 kg. On va rien pouvoir mettre de plus. Hop, et ici. Ça. Très bien. J'aimerais pouvoir mettre ça. Ça va faire combien? 5 et 5, 10 kilos en plus. Ouais, bah après, de toute façon, je vais rien avoir de plus. Dedans. Le cyan, on prend pas, on prend le bleu clair. Hop, le cyan, on peut le laisser par terre. On va aller voir là-haut. On regarde ici vite fait. Radio, aussi marteau, clou, on va prendre. On va prendre pour démonter aussi. Qu'à faire? Ça on prend. Peu de clou. Oh, hatchette. Parfait ça. Une radio premium, on va prendre aussi. Étagère, on va pas se. Non, on va pas prendre. Sauf s'il y a de la place, on prend. S'il y a pas de place, on ne prend pas. On va faire comme ça. Là, il y a rien. Bleu clair, non. Je sais pas du tout ce que ça va donner le bleu clair. Hein. On va prendre notre pinceau au cas où. Jamais essayé le bleu clair. Hop, ok, il y a rien de plus. On prend, va pas au vide. On prend un autre au cas où, on sait jamais. Pas à l'abri de le perdre. Ici, qu'est-ce que tu nous proposes? Du fil à coudre? Oui, on fera de la couture. À l'étage, qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Ça fait un effet bizarre. Avec le sol, sac poubelle bien sûr, toujours. Tokiwoki, les clous. Pergli, on va prendre. Et bah parfait. C'est parfait ça.
Y a rien de plus ici pour l'instant. Bah, il y a encore un peu en dessous. On a le temps. Et on se fera l'autre bâtiment dans une autre vidéo parce que sinon on n'a pas fini. Sac poubelle. J'aimerais fumer une cigarette. Fumez. Je sais plus où c'est et ce que c'est par contre. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Liquide de nettoyage. Javel. Balai. Boîte de vis. On n'en a pas. On va en prendre. Les ampoules, on va en prendre pour les phares de voiture. Toilette. C'est très bien ça. Merci de m'allumer la lumière. Sac poubelle, on prend. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la bouteille d'eau. On va remplir le vaporisateur vide. Voilà. Et on a l'hélicoptère. On va éviter de sortir. Et on va éviter de se montrer. En fait, si vous voulez, il nous suit. Il nous suit quand il nous voit. Et vu que là, on est à l'intérieur. Vu que là, on est à l'intérieur et que notre véhicule est rentré aussi, il y a des chances qu'il ne fasse que passer. Donc on va surveiller, se préparer, cas où, là ça emmène où? Ça emmène dehors, on va pas sortir. On va continuer de fouiller gentiment, sac de compost, engrais, tout ça on prend. Il tourne au-dessus. Hein. Peux tracer ta route, l'hélico, s'il te plaît. Merci. C'est gentil. Bah, par contre, s'il reste là, il va falloir qu'on sorte au bout d'un moment. Va se faire discret. Le faire. J'ai pas trouvé de corde. Et de biche, on en a. Je vais en prendre un au cas où, je sais plus si on en a un. Alors le problème c'est que ça va tirer tous les zombies. Mais ça va, c'est qu'on est loin de chez nous. Donc il s'en va là. Ouais, je crois qu'il s'en va. Ok, il est parti, parfait. Ouf, maintenant à voir quand on va sortir ce que ça va donner. Ça tape déjà à la porte? Ça tape à la porte là-haut. On a notre arrosoir.
Par contre, vous êtes pas censé savoir que je suis là, quoi. L'hélico revient. On va faire, c'est qu'on va se reposer un peu. Ah, on peut même plus. Même plus se reposer sur les chaises maintenant. Ils ont cassé une porte. Bon bah c'est parti pour la guerre. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Ouais, il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup. J'ai pas envie de sortir si je me montre, c'est fichu. L'écho va rester là. J'ai rien pris à manger. Très embêtant. Okay, y a du mouvement déjà devant. Viens me voir, tu m'as vu. La hache qui casse, la batte de baseball qui casse. Ça c'est pas cool par contre. On a une autre cas où là, je vais la mettre là. La chat. Allez l'hélico, va-t'en s'il te plaît là. Et lui il nous a vu. Là, faut que je fasse très très attention, franchement. Carte à noter. Il y a du zombie qui arrive encore. Arrête de fouiller. Ah, ça bouge, hein. Ça se déplace beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de se montrer pour pas trop se fatiguer. Je crois que l'hélico est parti cette fois. Je l'entends plus. Et je l'entends au loin. Il est très loin. Ok, il revient. Il y a du monde derrière la porte là. Je les entends. Est-ce qu'il va pouvoir me laisser tranquille? C'est incroyable. Allez, s'il te plaît, l'hélico. On va pas sortir. Là, il tape encore, mais depuis tout à l'heure, donc ça veut dire qu'il est... il doit être tout seul à taper. Continue de fouiller.
En surveillant, bien évidemment. Tour antique. 40 kilos. J'entends les zombies partout. Et lui il est là. C'est pas le moment de rentrer là. C'est au moment où je suis chargé que ça y est, ils décident de rentrer. Et ça va le faire. Oh, ceux qui sont juste derrière, je les entends tellement fort. J'ai plus de bêta bloquant. J'ai plus de bêta bloquant. J'en ai pas peur, s'il te plaît. Ok, tu cries fort, toi. Ouais, je me sens pas bien du tout. On va vite sortir. Je sais quand. Bottes militaires, on va les prendre. Ok, c'est rentré en bas. On l'a vu, il s'est coincé tout seul. Il est revenu, ok. J'avais pas vu qu'il y avait un passage. Et l'hélico, il était encore là. C'est incroyable. Tape en bas. Il s'est rentré en bas. Faut que j'enlève un peu de poids. Là, on est lourd. Hein. On est lourd. Faut qu'on se dépêche un peu. Fais le ménage. Ok, ça vient de partout là. J'aime pas ça. On va être encerclé. Enlève encore un peu de poids. Ça serait bien, dépêche-toi. On se vase. Sans crier, c'est où? C'est dehors. L'hélico tourne encore, hein. Il me veut moi, ça y est. Gants de cuir enfilé. Ok, très bien. Ils sont mieux que les gants qu'on avait. Et là, on va les laisser par terre. Voilà. On va être un peu plus protégé. Oh, ils sont bloqués en bas. Ouais, ils vont être beaucoup. Et il va falloir qu'on sorte là. C'est pas bien. Votre militaire, on va enlever. Allez, faut qu'on fasse un peu de place encore. L'arroseur, on peut pas le mettre là. Ils font le tour, ils ont peut-être compris que c'était ouvert en haut. Allez. Les clous. Non, les clous, ils sont déjà dans le sac. Je fais n'importe quoi là, je veux pas. Ne mourrons pas. 500 grammes. Ça n'y va pas non plus. Ok, toi tu meurs instantanément, c'est parfait. Eux, ils sont bloqués comme des gogoles en bas. L'hélico s'en va, est-ce qu'on en profiterait pas? Faut que la voiture démarre tout de suite. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Oh là là, bah on a bien fait de partir. Hein. En espérant que l'hélico me rejoigne pas, si jamais il me rejoint, je vous reprends, je fais la route. Bah il arrive. Bah je vais me promener, tenter de le fuir. Et je vous dis, à tout à l'heure. Ouais mais là il me colle, je sais pas où il va. J'espère qu'il va me lâcher un jour ou l'autre. Donc je vous dis à tout de suite, je tente de fuir. Voilà, je suis rentré. Apparemment, j'ai réussi à fuir. Donc je vais me dépêcher de rentrer la voiture. De me mettre à l'abri, de trier tout ça. Et on va être tranquille à l'intérieur. Voilà, là tout est fermé, on est tranquille, c'est sûr et certain. Je vais manger un petit bout. Voilà, m'occuper des plantations, mettre l'engrais qu'on a ramassé. Tout ranger correctement. Hop, allez, rentre-moi la voiture là-dedans. Là, comme ça, normalement, je devrais pouvoir y accéder. C'est parfait. Faut que je trouve un système. Soit j'agrandis le garage un peu. De 1, 2, 3. 3 murs peut-être. Comme ça je me fais des rangements là. Ou alors je mets des marches et je fais des rangements à l'étage. Mon cage à l'étage. Je sais pas. On va voir comment on va pouvoir faire. On a réussi à fuir à l'hélicoptère et je suis content. Je suis vraiment content. Ce qu'on peut faire pour fêter ça, prendre une unité. On va se manger la viande, vite fait. Allumer, hop, décongèle-moi ça, parce que j'ai pas de micro-ondes. Hein. Nous, on fait à l'ancienne. Dans le four. Durée de congélation. Dépêche-toi, René, s'il te plaît. On peut re-remplir le vapeau. Voilà, ça s'en est où? Tomate congelée, ça c'est encore congelé aussi. Ok, ici on va mettre le vapeau qui est vide. On a un vapeau vide normalement. Est-ce qu'ils l'ont mis avec l'autre? Non, il est là. Hop là. Voilà, tout ce qui est soda, boisson... On va se refaire un truc. On va mettre ça là pour l'instant. Pareil, je vais ranger tout ça en off. Ça doit pas être bien plaisant pour vous. Si jamais ça vous dérange pas de temps en temps, dites-le moi. Et puis, on se fera un rangement ensemble. C'est promis. Allez, dépêche-toi de me décongeler ça. Les deux vont être prêts, cuits, hop, c'est fini. Voilà. Ça, tu peux me le manger. La petite tomate. Ça aussi, parfait. Voilà, c'était des villes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, c'était des villes.